négocier un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, c'est quand même pas tout près, et l'idée est d'importer des dizaines de milliers d'hectolitres de lait en Europe, alors même que l'Europe connaît une crise de surproduction laitière. On diffuse dans 471 communes de France des hologrammes, c'est-à-dire qu'on vient là où les gens habitent pour mettre au cœur de leur vie quotidienne le débat démocratique, le projet politique, le projet de société. On voit les candidats qui se figurent sur la liste européenne de la France Insoumise, notamment Manon Ombry, notre tête de liste, qui vient de l'ONG Oxfam, ONG qui est spécialisée dans la lutte contre les paradis fiscaux et contre l'évasion fiscale, présenter notre programme et se présenter eux-mêmes, leurs convictions et les raisons de leur engagement. Les savoir-faire, les territoires, les entreprises, les salariés européens qui veulent un dumping environnemental, un dumping social qui n'est pas supportable. Voilà, nous n'aurons de cesse de proposer une autre voie, un autre... Sophie Pelletier, candidate pour la France Insoumise aux élections européennes du 26 mai 2019. C'est elle qui va venir à Targi. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui en tant qu'aide médico-psychologique dans un EHPAD? Eh bien, je vais vous parler de nos aînés. Aujourd'hui, ai-je le temps de lui laver les dents? Aujourd'hui, ai-je le temps de l'emmener aux toilettes? Non.